Je viens du ciné, j'ai vu pour la troisième fois cette année Past Lives de Céline Song. C'est la première fois que je le voyais sur grand écran et il faut absolument que vous alliez le voir. On suit deux personnages et on suit leur chemin qui se recroise sur 24 ans. En l'occurrence, on suit le personnage de Nora qui est joué par Greta Lee et le personnage de He Sang qui est joué par Théo Yu, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ce film il est génial? J'essaie de pas faire un TikTok trop long parce que c'est ça ma putain de maladie, c'est que je fais des TikToks qui sont trop longs. Il faut aller voir ce film parce que c'est une histoire d'amour, mais pas que. On parle d'amour et on parle aussi d'immigration et ce concept de se réinventer et d'évoluer à chaque fois dans sa vie. Et c'est saupoudré par ce concept de destin, le concept du yin-yang, qui fait que certaines personnes auraient vécu plusieurs vies antérieures ensemble et ce qui expliquerait que leurs chemins se recroisent. Mais qu'est-ce que c'est le destin? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste dans ta vie et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est destiné à toujours revenir dans ton histoire. Tout ça, c'est questionné et raconté dans ce magnifique long métrage de Céline Song. Ce qui est génial, c'est que je trouve que dans ce film, chaque personnage est respecté. Nora, elle finit par épouser un mec qui s'appelle Arthur. Et même son personnage, qui peut sembler silencieux, qui peut sembler secondaire, il est hyper nécessaire et pertinent. Il nourrit en fait toute cette histoire et tous ces questionnements autour du fait que peut aussi choisir son destin. Allez voir le film, les musiques sont top. L'image est trop belle, tu vois Séoul, tu vois New York, et puis je trouve que ça réchauffe le cœur, quoi, c'est comme un câlin.